Yo tout le monde, c'est Zombie B-Boy. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis vidéaste. Cette chaîne, ça parle de vidéos, ça parle de ma petite vie, des petits vlogs tranquillou, de ce que je fais en mode off aussi, en dehors du taf, et surtout des petits making of de clips. Je fais cette vidéo là aujourd'hui. J'ai à la faire il y a une semaine. Et c'est un peu capoté parce que j'ai voulu le faire le soir au coucher de soleil. Je suis parti trop tard. Il faisait nuit. Donc voilà, je la fais aujourd'hui. En plus, je suis bonne humeur en vrai, donc c'est cool. Et c'était pas le cas ces derniers mois. Je vais vous expliquer. En gros, j'ai eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps. Ça fait 2-3 mois là que je suis plus motivé. J'ai plus envie de faire du contenu perso, de me filmer, de faire des trucs sur les réseaux, machin et tout. Et en fait, depuis 2-3 mois, je me suis mis en tête d'acheter une nouvelle caméra, un bête de trucs, parce que ça fait un petit moment que je tourne sur le même boîtier, que j'ai envie d'évoluer et de présenter à mes clients une qualité encore supérieure, une définition supérieure. Et en fait, ça m'a totalement démotivé sur ma propre caméra qui est très très bien au final. Du coup voilà, ça fait 2-3 mois en fait, j'ai plus envie de filmer. Et il y a une semaine, j'ai eu une prise de conscience. Et je me suis dit, mais ton raisonnement est totalement débile. Mais genre vraiment débile. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste la créativité. C'est la créativité, c'est l'émotion. Voilà, c'est peu importe la caméra que t'as en fait, le meilleur matos c'est celui que t'as déjà. Je l'avais déjà entendu ça, j'ai déjà entendu des gens le dire ça. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Voilà, du coup j'ai eu cette prise de conscience, trop bien. Trop content d'avoir réfléchi à ça. C'était un samedi soir, tout le monde sortait et tout, j'étais dans mon lit en train de cogiter, ça allait pas. Ça faisait déjà plusieurs mois que en vrai je déprimais. C'est con quoi. Et là voilà, ça va mieux. Ça fait une semaine là que j'ai repris à faire du contenu perso. Là je parle uniquement du contenu perso parce que j'ai jamais lâché le travail pour les gens. Quand je bosse pour les gens, je fais toujours ça avec du cœur. Je m'investis beaucoup, donc je donne toujours le meilleur de ce que j'ai pour mes clients quoi. Mes clients, mes potes, enfin, tous les gens pour qui je travaille, peu importe. Donc ça, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Mais vraiment, c'est du côté perso. Et quand ça va pas personnellement, ben, ça se répercute sur tout. Et voilà, je vous parle uniquement de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que je ressens. Je peux pas faire autrement que via mon regard. Je sais pas ce que vivent les autres gens. Pour beau m'expliquer, je peux pas comprendre, je suis pas à leur place. Donc, j'explique ce que moi je ressens. Voilà, en gros. Et là, ça fait une semaine que je me régale, là, que je sors tous les soirs, quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait jour. Peu importe en fait le moment, je trouve que tout est trop cool à filmer en fait. Et chaque moment de la journée, chaque météo a sa magie en fait. Et là, je suis en route là pour aller nettoyer ma caisse. Je vais même réussir à faire du contenu avec ça en fait. Je vais partir sur un parking pour faire des petits réels Insta comme on voit des voitures. Et en vrai je suis une Peugeot là 206, c'est pas ouf, mais en fait on s'en fout. Je voulais acheter une BM là, et j'avais pas les finances, il m'aurait fallu quelques mois de plus pour l'acheter. J'avais besoin d'une caisse, j'ai acheté une 206 CC, voilà celle-ci, je vous présente dans une autre vidéo. Ben écoutez, je vais filmer ma 206 en fait. Moi j'ai envie de travailler le style, j'ai envie de travailler la technique, et c'est ça qu'on va faire. Si j'arrive bien à le faire là sur une 206 et que ça pète, mon gars, quand je le ferai sur une Bugatti, et ça va être énorme. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je fais ce petit vlog pour de fou sur la route. Ma mère, elle verrait ça, elle kifferait pas trop. Mais c'est pour ça que je regarde pas trop la cam, mais en vrai, j'essaie de vous capter de temps en temps. Du coup, là, j'avais pas plus à dire, c'est vraiment pour vous dire, de vous motiver dans la vie. S'il y a un truc qui vous fait kiffer, ne vous mettez pas de barrière. Là, je parle vraiment surtout de la vidéo, du coup. Vous avez du matos, vous avez un portable. Vous avez une petite caméra, peu importe ce que vous avez. Prenez ça. Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter du nouveau matériel. Prenez ça et faites des vidéos. Et écrivez un truc, un petit script, un machin. Amusez-vous, faites un putain de montage. Et voilà, c'est tout en fait. Et après, quand vous avez l'argent,
vous achetez une bête de caméra et vous aurez déjà la technique, vous aurez déjà l'œil pour faire une putain de vidéo. Voilà, donc motivez-vous les gars. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Moi j'arrive déjà à ma destination. À bientôt, gros bisous, ciao.